Bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve sur EU4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir. Et on était donc parti pour un petit fight en toute amitié avec notre ami le Ming. Plus vulgairement, poutré du chinois quoi. C'est vulgaire, ça. Mais bon, c'est vrai le cas. Que c'est plus direct, ouais. Bah écoute, donc comme on a dit, je vais m'occuper plutôt de l'Est, et puis je te laisse le Nord. Ouais, c'est à peu près ça. Nord-nord-ouest, on va essayer de pas trop s'éloigner au cas où. J'ai quand même une troupe qui va vers l'est, mais globalement, je vais remonter vers le nord un petit peu, effectivement. J'ai pas trop de points militaires à claquer vu que j'ai ma doctrine en cours, mais j'ai mon général à quête de siège, donc je pense que ça devrait aider à faire tomber. Ouais, ça devrait être pas mal, ouais. Faudra regarder au niveau bateau. Tiens, avant que t'enlèves la pause, je vais juste vérifier en termes de flotte ce qu'il a, parce que faire des blocus, ça serait cool. Ah bah si tu peux ramener, si t'as une grosse flotte et que tu peux la ramener, qu'on se fusionne, moi ça me va. Mais ça dépend ce que t'as quoi. Il a 27 navires lourds le monsieur quand même. Ouais bah alors écoute, toi t'en as 17, moi j'en ai 15. Ouais, et il a, non ça c'est pas du tout, putain la Castille, seulement, elle a tout pourri en flotte quoi. 31, 51 galères, ah ouais c'est les galères qui vont piquer quoi. Bah après les galères, ah ouais les galères, ouais les galères par contre je suis pas très ouais, très bien équipé. Je pense qu'on va se faire défoncer, on va se faire défoncer. C'est le problème. On aurait juste ce qu'il faut de navires lourds, mais avec les 50 galères en renfort, en plus c'est des mers intérieures là, c'est mort. Bon bah tant pis, on traversera pas puis on fera sans doute tout ça. Ouais c'est ça. Bah écoute, quand tu veux, si tu veux enlever la pause, feel free. C'est parti vitesse 2 quand même. Hein. Oui on va y aller en vitesse 2, au moins le temps de lui diminuer un petit peu ses réserves. Exactement. Et puis surtout, voir où il est. Parce que pour le moment, on sait pas trop comment ça va nous tomber sur la tronche. Parce que si on avait une visibilité sur son territoire, on verrait des fourmis dans tous les sens, mais... Bah après, il était en guerre de l'autre côté du monde, donc peut-être qu'ils sont toujours loin, hein, ces guerres, mais... On va y croire. Les séparatistes bengali qui gueulent. Ouais, alors, c'est où c'est là? Bon, on va envoyer les gens, hein, et puis ça va bien me faire 2 minutes. Allez, on va pouvoir bientôt commencer le siège. Parfait. Qu'à pas oublier, hein, si on a vraiment beaucoup de points militaires et que c'est une galère, je dis pas de le faire tout de suite. Hein. On peut percer une brèche, c'est juste un rappel. Je vais essayer de pas rester sur tes troupes, par contre, parce que ça pique niveau attrition, quoi. Tout à fait. On remarque, tu me diras, ces provinces sont tellement pourries que même sans ça, ça pique. Ouais. Ah voilà, il y a 64 bateaux qui se baladent en dessous là. Et donc, ouais, 50, ouais, c'est le problème. Malheureusement, c'est le problème. C'est ça. Ici, on va avancer un peu là. Ouais, le problème, c'est que je vais ranger mes bateaux de commerce aussi, il est capable de descendre, me les casser. Ouais. Ah, 70 000 troupes qui arrivent. Hop, 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 hop. Marche forcée. En plus, marche c'est forcée. Sur un siège dans les collines, donc c'est toi qui vas avoir le malus. Je peux les intercepter avec mes 50 000 hommes. C'est pareil, t'auras le malus et en plus t'auras un malus de traversée. Donc ça me semble une idée de merde. J'ai envoyé mes troupes en renfort, hein, de toute façon. Malgré tout. Ouh, tu lui as fait une grosse baffe. Ah oui, mais c'est parce qu'il en a que 30 000 au début, ouais, c'est pour ça, pardon. Mais j'aurais peut-être dû aller les intercepter. Merde, j'aurais dû y aller quand je pouvais. J'aurais dû y aller, punaise, j'aurais dû y aller. Non, je pense que t'aurais pas dû parce que tu te serais fait défoncer, pas de général. Ah ouais, enfin non, tu te serais fait dépioter la tronche. Pff, trahison contre les. J'arrête pas de perdre du professionnalisme. Attends, je vais faire ça. Ouais, je pense que t'avais trop de troupes et qu'ils s'ennuient tes mecs, donc du coup t'as des événements pourris à cause de ça. Ah ouais, je savais pas ça, tu vois qu'il y avait ça. Attends, parce que j'ai les nobles qui gueulent un peu, faut que je leur redonne 2-3... Ah mais c'est une province cette merde là. Ah là, il y a Macao, j'avais pas vu Macao, mais je peux pas y aller, ouais non, faut faire tomber le fort avant. Cette merde, excusez-moi, sorti tout seul, mais c'est pas du tout de la merde, bien sûr. Ouais, bon, ici, on va fusionner. Ouais, bon. On verra ça plus tard. Donc du coup, je reste là. Ça va... Alors, ça, j'annule la marche forcée. Ça monte là. J'en profite, je suis en pause pour... Vas-y, hein, recale tes trucs. Refais tes trucs. Il y a 42 000 hommes au-dessus de moi, mais ils sont en train de se barrer.
Pas oublier qu'il voilà. a énormément de canons, hein. Donc du coup, ça veut dire que mathématiquement, si on a de la cavalerie et de l'infanterie, on peut lui faire mal. C'est ça. Alors en fait, on va faire ça. Ça, ça va s'en aller du siège. Ça, ça reste à côté, ça, ça remonte. Ok, donc il a 42 000 hommes au-dessus de tes 34 000. Hein. Mais ouais, bon, pour moi, il est... Mais il est en train de se casser okay. pour l'instant. C'est bon. Je vais pas lui courir après parce que c'est un coup à se tomber dans un piège en face d'un fort. Hein. On va surveiller, on va avancer sur son territoire. On n'est pas en stress, c'est pas la peine de faire des conneries pour rien. Ah, c'est quoi ça? Importation de denrées. T'as un fight, fais gaffe en haut là. Ouais, je l'ai vu. 7000 hommes du Arkand. Qu'est-ce qui se passe? On perd du mercantilisme et on paye. Ou on a un petit peu... Non, on reste autosuffisant, on a dit. Il perd pas de mercantilisme, y a pas moyen, quoi. Ah merde, il a débarqué des hommes en bas, vous êtes sérieux? Ah, il a débarqué des mecs, là. 22000 hommes dans notre dos. Ah bon? Ah ouais. Bon. Cela dit... Je vais les intercepter, t'en fais pas. Ouais, je m'en fais pas trop. Ici, on va fusionner les flottes, histoire qu'il y a au moins les navires lourds qui protègent les vaisseaux légers, et on va renvoyer s'occuper du commerce. Les aléas du négoce. Ah oui, par contre, je paye pour du mercantilisme. Moins 1000, hein, rien à foutre, on va prendre des emprunts. Stop, avant de prendre des emprunts, on va dévaluer un coup. Voilà. Ah, ça baisse l'absolutisme de dévaluer la monnaie, dis donc, je ne savais pas. Ah bah tiens, tant qu'à faire, j'ai une rébellion. Alors ici... Lui. Hop là, on va les choper, vous courez là. Ici, on va reculer. On est en train de le défaire à cet endroit-là, mais il a des renforts qui arrivent, moi aussi. Ah, le général 3 étoiles de Dali fait du bien. Oh là 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 là. Voilà, 42 000 hommes qui se ramènent encore. Ah, ça doit être ceux de tout à l'heure qu'on fait le tour. Oh voilà. Putain, mais que des events de merde, hein. Oh, attends, putain, mais c'est pas possible, hein. Moins de 5 en professionnalisme et gain de 45 en dévastation. Ou perte de 30 000 réserves militaires. Ah ouais, non. 30 000 de réserves militaires. Putain, ça pique, hein. Ah ouais, non, ça pique très sérieusement, même. Hein. Ah non, je peux pas me permettre. Alors, attends, on va faire ça. Je sais pas d'où sont venus ces hommes, il n'y a même pas de navire de transport dans ces bateaux là. Ah, t'as une rébellion qui a pété en plus. Ouais, bah pour faire bien, ouais. Tu veux que j'aille m'en occuper pendant que j'y suis? Non, je suis en train de lancer un nouveau recrutement. Attends. Fais-toi plaisir. J'en suis pas lancé des nouveaux recrutements. Bah tant pis, je vais le faire parce que je sens qu'il va y en avoir besoin. Par contre, j'ai plus 43 000 de réserve après derrière, mais bon. Ah la vache, ouais, putain, ça a fondu. Hein. Ah, ça allait vite. Bah, les batailles, elles m'ont fait mal là. Ah, et puis en plus, t'as des armées à 50. Des stacks de 50, tu dois te prendre un paquet d'attrition dans la gueule. Ouais. Faudra peut-être que tu les scindes un peu tes armées. Hein. Ouais, je vais tâcher de faire ça. Parce que là, franchement, même celles que t'as prises, normalement, les provinces que t'as prises, tu devrais plus avoir d'attrition quoi, mais t'es quasiment deux fois trop nombreux dessus. Hein. C'est ça. Et après, ça me fait toujours peur d'avoir des petits stikes contre un ennemi ouais, qui en a des gros. Ouais, mais il va pas. Il pourra jamais t'amener directement. Tu vois, même lui, il se balade avec des trucs de 40 000 hommes, pas plus. Hein. Il t'amènera jamais 70 000 hommes sur la tronche d'un coup, quoi. Et même s'il le fait, t'as le temps de ramener tes troupes autour. Faut pas les éloigner, mais tu les laisses, tu vois, à une province ouais, comme ouais. moi, ça te laisse ça, le temps de gérer. C'est ce que je quoi. Vais faire. C'est ce que je vais faire, effectivement. Qui c'est qui a de l'indépendance élevée? Ah oui, on s'en fout. Bon bah, c'est toi qui a l'impôt. Ouais. Bouge pas. Parce que je réaffecte le général. Voilà. C'est bon. Le siège de Canton, c'est fait. On va s'occuper de cette petite, de ce petit Macao vite fait aussi.
Après, faut faire attention qu'ils s'acharnent pas sur un de nous et tout. Hein. Donc, si t'as des problèmes pour gérer ces troupes, tu me dis, je ramène des renforts. Hein. Tout à fait. Moment, ça a l'air d'aller. Je vais continuer d'avancer sur son prochain fort. Malheureusement, l'île, on pourra pas y aller. Je pense que si j'y vais, il suffira qu'il pose un bateau, j'aurai une armée de perdus là, c'est un peu con. Ce que je peux peut-être faire par contre. Ah non, merde, je t'ai donné les territoires, je peux plus embaucher dessus. Alors attends, deux secondes. Ici, y a quoi? Ici, non, de toute façon, il y a un bateau qui traîne. Il n'y a pas de fort ici. Ouais, donc je peux embaucher genre deux mercenaires bidons et puis. Hop là, et puis les envoyer s'occuper de l'île quoi. Allez, on avance sur Jian. Ah, et attends. Par contre, on va prendre quelques techs. Ah hop oui, là, oui on t'es... Prend... Et on prend. Toi aussi, on t'a annoncé du déclin. Ouais. Alors il va faire tout le tour par l'Arakan avec son armée, j'ai l'impression. Ah. Au moins c'est ce qu'il fait, il manœuvre. Hein. Alors ici il a 23 000 hommes qui sont en train de se pointer. Et où est-ce qu'il va? Ici. Wop, c'est quoi ça? Putain, je viens de me taper un casus belli de ouf là. Contre la Scandinavie. Le Portugal. Hein? Impérialisme contre la Scandinavie, Ragus, Serbie, Hongrie, Ottoman, machin, contre toute la planète là. T'as débloqué un truc? Bah pourtant non. Ah si, ça doit être ma tech. J'ai pris une tech qui a dû donner des casus belli ou un truc du style, c'est pas possible. Ils ont pas débarqué chez moi de toute façon. Ah, t'as pris la tech 23 en diplo? Ouais, c'est ça. Ça donne état client et casus belli amélioré. Ouais, ça doit être ce truc là. Y'a des chances. Ça a mis un petit peu de temps à popper, mais ça doit sûrement être ça. Alors par contre, du coup, excuse-moi, du coup, j'allais choper ces cons ici, là. Maintenant qu'ils sont loqués, donc on va se faire 25 000 hommes totalement gratuitement. Ça, c'est très bien. Comment je vais essayer d'en choper 5 000, ici. Alors, on a des malus, mais normalement, on devrait pouvoir se les faire avec les renforts, voilà. Un diplomate de Grande-Bretagne, vous êtes sérieux? Alors, notre général qui a 4 de siège, c'est lui, donc il va sur le fort. Alors ici, il a de nouveau 70 000 bateaux et 15 000 bateaux. Alors, est-ce que je peux passer, là? Merde, non! J'ai demandé à mes navires de transport de faire de la merde, arrêtez-vous! Je vais pas demander à mes navires de transport de se pointer en pleine... En plein merdier naval, on va dire. C'est ça, ouais, donc il est bien en train de faire le tour. Hein. Ah, il faut qu'on renvoie quelques renforts. Il y en a du monde, hein, putain. Waouh. Ah ouais, effectivement, il est en train de se répandre. Écoute, c'est toi qui gère, hein. Tu me dis si tu préfères qu'on mette des ressources derrière. Ouais, on va peut-être essayer de reculer un petit peu et s'en occuper, parce qu'avant d'être noyé... Je sais pas ce que t'en penses, mais... Alors j'en pense que je vais essayer de me faire les petites merdes qui traînent à droite à gauche, déjà. Qui sont en train de reprendre des sièges. Il y a plein de petites armées, là, je vais essayer de les stack wipe vite fait. Merde ratée. Non, ils vont trop vite. Ils vont trop vite. Il est bien en train de rentrer là. Essaye à la limite de faire demi-tour et de t'en occuper. Je vais essayer de m'occuper de toutes les petites saloperies qui traînent partout là. Ah, moi aussi je voudrais essayer de le terrasser un petit peu quelques petites troupes qui traînent, mais c'est pas simple. Ah, et là il y a 21 000 troupes qui traînent. Là, c'est un petit peu plus violent déjà. Ça là je vais les choper normalement. Ça en fait du monde, hein, putain. Ouais, avec je t'ai dit, hein. Fort ici, là. Ça fourmille, hein. Venez ici, vous. Venez ici, plutôt. Alors, vous êtes... je sais pas pourquoi vous passez par là, mais admettons.
Ici, on va se replier un peu, histoire d'être quand même 60 000 pour couvrir le fort, là. Bon, arrêtez-vous, ça sert à rien. On va largement les défoncer. Surveille qu'ils passent pas tech 24, mais... Il est renforcé, là, où j'ai rêvé. Ouais, putain, il est en train de renforcer, ce con. Donc on va complètement y aller, en fait. C'est bon, c'est fait. Dans la douleur, mais c'est fait. Une fois en général, j'en ai pas de dispo malheureusement. On va essayer de choper les mecs qui sont au-dessus là avant qu'ils se barrent. Ouais, ça leur occupe des trucs, je m'en doute. Non, restez là vous. Et du coup, ils reculent hein, forcément. Voilà, parfait, on a réussi à en choper quelques-uns. Ouah, putain, il y a du monde quand même. Ouais, ça y est, du peuple hein. Essayer de renforcer un peu trop tard. Ouais, ça va le faire. Ici, je peux toujours pas passer. Alors attends, pause. Il est en train de me sauter dessus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va renforcer pour le coup vite fait. Il m'a pris il m'a pris deux forteresses à une vitesse, mon gars. C'est des deux forteresses level 6 que t'as ? Ouais. Ah la vache. Il a même pas de généraux en plus ? Non. Putain. Non, là c'est bon, c'est juste 2000 mecs qui me sautent dessus, c'est qui me saute dessus? Fais gaffe, à gauche ça arrive, hein, là où t'es en haut. Il y en a 60 000. Hein. Ok, donc ça c'est géré. Alors attends, on a... ouais non, on a une doctrine, mais on a surtout une tech à prendre, donc on va pas la prendre, la doctrine. Ils vont où? Ils sont arrêtés. Je les vois pas, les 60 000 hommes, donc je vais être prudent. À gauche, il y a du monde, hein. À gauche de là où il y a tes troupes. Ouf, ouf. Bah, je vois juste 24 000 hommes, donc pour l'instant. Ah oui, ok, j'en vois effectivement 56 000. De toute façon, il a fait ça, hein, on peut remonter, hein, de toute façon, je vais monter mes troupes un petit peu à la frontière. Il a volontairement fait ça, maintenant il voit qu'on se renforce en bas, donc. Je vais reculer un petit peu. Pendant ce temps-là, je prends des sièges. Ah, ici, non, il tente une attaque, qu'est-ce qu'il fait? On va attendre que ces hommes éventuellement se barrent un peu. Fais attention, hein, y a 43 000 hommes qui descendent là. Ouais, sur je les vois. Ouais. Là. Non, par contre, on peut pas rester aussi nombreux, c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop mal aux fesses. Et là, du coup, ça nous oblige à surveiller à droite à gauche, et là, c'est compliqué quoi. C'est quand même un ennemi redoutable, hein. Ah ouais, ouais, bah après on peut regarder un petit peu combien il lui reste de réserve au monsieur là, parce qu'il doit s'user un peu à un moment aussi. J'espère! Il lui reste encore quand même 105k de réserve. La vache. Et il a encore 420 000 régiments. On lui a fait mal, mais c'est pas encore ça. Il a enfin plus d'infanterie que de canon. Ah vache. D'ailleurs, ce que j'ai complètement oublié, c'est de constituer un réseau d'espionnage chez lui. L'emprunt, on peut le rembourser, on va le rembourser. Voilà. Je relève la pause. Hein. Normalement, 84, 38, on est suffisamment nombreux pour lui faire mal là, s'il joue au con avec ses 40 000 hommes là. Le temps que je mets à prendre les sièges, moi mes trucs il me les a fait sauter mais en 2 secondes hein. Je comprends pas comment il a fait hein. Il m'a fait sauter 3 forteresses mais en moins d'un mois. Ils sont tous niveau 6. On va essayer de leur sauter dessus, se faire un petit fight là. Je comprends pas. Parce que sinon il est parti pour aller taper sur mes hommes. Ah là-bas. Bah merde, moi aussi la putain j'ai pas ah, vu. Ah la vache, ah oui puis alors là je peux pas faire demi-tour, c'est trop, je suis trop engagé, je suis désolé. C'est pas grave, un petit aqua et puis ça fait toujours ce que hop, ça fait. Il faut qu'on passe en marche forcée, il nous faut des renforts ici. Je suis désolé pour la tech, mais là il va nous apporter encore un max de monde dans la gueule. Là. On a des sales malus en plus. Ah, il va m'intercepter ici avec 20 000 hommes pour m'empêcher de faire des renforts, quoi, c'est abusé. Ça va être. C'était merde, c'est perdu. Putain, et moi je vais perdre aussi, je crois.
Oh, le zéro qui fait mal. Oh là là, il fait des jets de fou, peut-être là. Reviens, allez. Toi. Attends, ils sont 91 000. Oh la vache, c'est tellement la violence. Reviens, toi, renfort. C'est chaud. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? On perd des points diplo. La soif de pouvoir de machin, oui, du roi. Bah, le roi, oui, il a de la soif de pouvoir, hein, y a pas de soucis, c'est son taf. Oh la vache, même avec tous mes renforts, on est quand même moins nombreux. Oh putain, il y a 107 000 hommes là. Ah, là, il pose ses coronets là. Ah putain, puis là, je suis là, trop il a loin. Fini de jouer, là. Je suis beaucoup trop loin. Ah la défaite qui pique. Bon bah là en plus j'imagine que je me replie. Ah non, je me replie chez toi, ça va. C'est pas la fin du monde non plus quoi. Bon, je propose une petite pause, regarder éventuellement ce qui est gagnable, hein, parce qu'on a quand même plutôt bien avancé. Ouais, tous les trucs. Ouais, il est pas d'accord pour prendre ne serait-ce qu'une. Il est d'accord pour une paix blanche, c'est tout. Bon, bah du coup, on va encore lui faire un peu mal alors. Ouais, c'est chaud. Je pense qu'il va falloir rester bloqué, rester. Avancer en étant stacké quoi. Et là, ouais, on lui a fait un peu mal, mais bon. Bah écoute, moi, dans un mois ou deux, j'ai la tech 24 militaire. Donc j'aurai de la nouvelle infanterie et de la nouvelle cavalerie. Donc je vais la prendre direct le temps que mes troupes se replient. Et puis on va passer à du mercenaire. Hein. C'est un gros morceau le Minga, c'est fouf. Fais gaffe, hein, il a 30 000 hommes qui se ramènent sur toi de nouveau. Ouais, je surveille. Mais, pour l'instant il a que ça, les autres il les a laissés pour finir le siège. Donc il saute dessus, ok. Il vient, bah, je l'attends. Non c'est bon, ça ira, merci. Alors, eux ils ont fini de se replier. Ah merde, on a perdu un réformateur naval. Fuck. Réseau d'espionnage, efficacité commerciale. Putain, vous êtes mauvais les gens quoi. Ouais bah on va prendre le mec sur le réseau d'espionnage, on va prendre du plus 3 hein, quand même. D'ailleurs lui, faut absolument qu'on le dégage. Notre petite discipline plus 5 qui a un plus 4 quand même, je pense qu'il nous aura bien plu. Allez, on va prendre la tech militaire pendant qu'on se replie, qui peut de toute façon pas nous attaquer. Alors, on a des Tellingas. Et la cavalerie légère du Deccan. Parfait. Et on a trop de bateaux, mais c'est pas grave. Je fais une petite session de management de troupes. Hein. Ici, on va renforcer un coup. Bon, alors la vache. Vas-y. On a pris cher niveau troupes quand même. Hein. Enfin, moi, de toute façon, réserve militaire, là, je suis quasiment à zéro. Alors. Hop là, on va se regrouper. Ouais, là, il a déconné avec ses 30 000 hommes. Ça va faire 30 000 hommes de moins, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Joli stack, ouais, bien joué. On va se regrouper à Donkin. En fait, j'ai même pas regardé, mais il a pas d'homme chez moi. Bon, il est passé en enthousiasme moyen, c'est déjà ça. Ouais, bah là, je pense qu'il souffre, hein, mine de rien, au niveau des réserves. Voilà, il est plus qu'à 59 000 de réserves. Hein. Ah ouais! Il nous a piqué, mais là, les combats, enfin, le combat à 100 000 où j'ai failli le défoncer à 100 000 contre 70 000, il a perdu un max de troupes. Hein. Et avec mes nouvelles caves, mes nouvelles inventeries, il va manger sa maman. Il va comprendre sa douleur, le monsieur. Allez, j'y vais avec 22 000 hommes, j'ai pas peur. Non, je vais me mettre à côté de tes troupes, ouais, je vais te renforcer un peu. Bah, il avance sur moi avec 5 000 hommes là. Ouais, alors après, s'il veut faire des conneries, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça fourmille là-bas, putain. Attends, ici, je suis beaucoup trop nombreux, par contre, là, ils sont tous repliés là, c'est con, donc on va retourner se répartir un peu. Voilà. Le temps de prendre un petit peu de renfort. Non, il a abandonné. Si j'y allais, moi. Quand même, c'est 1000 hommes, c'est 1000 hommes. Hein. Ouais, c'est toujours 1000 hommes, ouais, carrément. Passe dans le coin. J'avance à côté de toi, ouais, et puis j'ai mes troupes qui se repointent derrière. Même si c'est encore un peu loin.
Il a 70 000 hommes, hein, il va peut-être avoir envie de nous sauter dessus. Parce qu'il doit pas voir que mes renforts sont en train de se repointer derrière. C'est l'IA, c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Non, je pense pas, j'espère que non. Si elle savait tout, il y a des certains mouvements qu'elle ferait pas, je pense. Ouais, je suis d'accord. Non, je pense quand même que... Oh, ce serait pas drôle pour le joueur. Hein. Après, elle reste prudente, hein, mais... Oui. Elle sait pas tout, quoi. Ah, il essaie de manœuvrer 45 000 hommes par canton, là. Ici, on va avancer un petit peu. Non, ici, il y a un fight. Il y a un gros fight potentiel ici, ouais, t'y vas. Bah écoute, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais aussi, ça me va. Je vais consolider un peu. Vous, pointez-vous il également. Il a pas de généraux non plus. Bon, ça veut dire que j'ai quand même encore 70 000 hommes qui sont au sud pour reprendre ce qu'il m'a pris, là. Ouais, mais le temps qu'il les ramène, on aura eu le temps de gagner cette bataille, je pense. Ah, mais il y en a 38 000 qui se pointent, par contre, là. Ça va être un petit peu plus douloureux. Ouais, mais on est nombreux quand regarde même. Regarde comment je le défonce avec 20 000 hommes, quoi. La ouais, différence j'avoue. De tech, elle fait tellement plaise. Bah, tu l'as pris ta tech? Ah ouais, je l'ai prise là. Je l'ai prise et j'ai amélioré mes troupes. Attention, est-ce qu'il va te choper? Non, vous allez vous non, croiser. Non, on va se croiser, ouais. Après, est-ce que ça vaut le coup de se choper? De lui ressauter dessus? Ouais, moi je pense que c'est tentant, hein. Franchement, je pense que moi j'y vais, ouais. Ouais, moi aussi. Alors, je peux mettre de la marche forcée si besoin, mais... Hein. Non, j'ai deux fois plus d'hommes. Ah, il a décidé de s'arrêter. Il va, là, finalement, il va sur nous, là. Il vient sur nous. Ah bah... Merde, j'étais en... Non, mais ça va aller. Oui, j'étais à moitié en demi-tour, c'était mais... 40 000 hommes qui sont là, donc ça va. Ouais, ouais, puis j'en ai 49 qui reviennent. Oui, c'est trop tard, maintenant. Il peut plus faire demi-tour, hein. Alors, elles sont où, ces troupes? Elles sont là-bas, donc je peux tenter de sauter sur... Sur ces 15 000 hommes qui sont là, je vais le faire. On va voir comment ça passe. On va envoyer, on va rester au cas où. Et on va envoyer des troupes là pour aider ou là. Ouais, là. On va voir comment ça se passe. Bon, Alterès, moins 5%. Ça, c'est pas cool par contre. Ah merde. Putain, j'avoue que t'as vraiment des éventes pourries, hein. Putain. Ah là, j'ai que de la merde depuis que la guerre a commencé. Hein. Oh la baffe que je lui mets, quoi. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ah merde, il y a 40 000 hommes qui se pointent. Non, il fait demi-tour. Oh, je l'ai stack wipe. Bon, il doit commencer à être à poil, là. Ah, il est remonté à 90 000 de réserve. Il a dû faire quelque chose pour les regagner. Ouais. Ouais, j'ai une grosse lassitude de guerre. Effectivement, je vais claquer du poing. Voilà. Ouh. Et bon. Je suis à 0 de réserve militaire. Merde. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, par contre. Ouais. Sauter sur ces 4000 hommes là, ça sera fait. En plus, j'aime pas trop rester près de toi parce que quand on est vraiment en gros stack comme ça, ça défonce les réserves là. J'essaye de bouger, hein, de me déplacer, mais en même temps, on peut pas trop se permettre de s'éloigner non plus. Enfin, c'est pas simple. Hein. Mm-hmm. Ouais, mais on le pique petit à petit. Ah ouais, ça c'est bon général ça. 5 de siège, c'est bon ça. Ah non, 1 de siège, merde, 5 de manœuvre. Bon, c'est bien aussi. Oh, ça va. On pourra le courir après, quoi. Ouais. Oui, il va re-essayer de faire le tour avec une partie de ses troupes. Ouais, mais je pense qu'il en a plus tant que ça. Hein. Enfin, il en a plus tant que ça. Non, il reste serein, oui. Quoi, mais... Oui, c'est sûr. Allez, ici, on va sauter sur ces 2000 hommes qui ont la bonne idée de rien rester là, rien foutre. Une bonne idée. Ah, il me saute dessus. Il me saute dessus avec 30 000 hommes. On est comment ici? On va renforcer. C'est quoi comme terrain? T'as besoin de renfort, tu dis, hein, mais... Non, je pense que ça va largement le faire. Enfin, sauf s'il ramène d'autres troupes, quoi. Mais j'attends qu'il ait verrouillé. Non, il a décidé d'annuler son mouvement, carrément. Bah, il l'a annulé, hein. Il a décidé d'annuler, hein, complètement. On va commencer à se déplacer parce que je sens qu'il va faire de la merde. Qu'est-ce que je perds en troupes par contre, en or aussi, putain, je suis à moins 35 quoi. Ça fait mal au cul, hein.
Bon, il se replie, il commence à flipper, il sait que c'est pas si simple que ça de nous descendre, quoi. On va aller reprendre la côte, vite fait. Tiens, j'ai oublié de te filer Macao. Là. Ici, pourquoi on est aussi nombreux, par contre ? Ça va pas du tout, ça. Allez ici, les gars. Et vous allez là. Ah zut, trop tard, on le chauffera pas. Ici, on va scinder pour prendre vite fait ces petits trucs de l'arrière-pays. Hop là. Il s'occupe de mes vassals. Bah écoute, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Franchement, ça me dérange pas plus que ça. Allez, une petite tech administrative. Ah, bon bah chez moi c'est terminé, c'est calme, y a plus personne. Ouais bah là il était à Sam, il va tenter de redescendre chez moi à tous les coups. Je vais essayer d'avancer sur ce fort là plutôt. Là on va se regrouper là. Hop. Dès qu'on a fini ça, ici on va remonter par là-bas et on va s'occuper de Wuchang avec notre général qui est en siège. Là. Bon, c'est un petit épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais en même temps il y a l'action. C'est ça. Ah, oh, sérieux, on est 26 000 et on est même pas assez nombreux pour faire le siège quoi. La vache quoi. Ça déconne pas, c'est fort là. C'est de la terre arable en plus, c'est que du fort 6, faut peut-être pas non plus déconner. Par contre, j'ai un général qui se touche là. Oui. Donc du coup, il va revenir. Un peu autre chose à foutre que glander, hein. Dans l'absolu. Oh, je lui ai fait une grosse fessée là, c'est 25 000 hommes. C'est cool. Il a encore petit stack wipe, on y croit. Bon, peut-être pas de stack wipe quand même, mais bon. Douille, hein. Là, ces murs sont déjà tombés. On va investir un petit peu pour améliorer les réserves militaires. Ah, on a 30 000 hommes ici. Non, ils se barrent. 17 000 aussi. En attendant, je vais te filer les provinces. Fait. Là, je risque d'avoir un. Ah merde, pour toi. Hop là. Ouais, là, faut que je me barre parce que je pense qu'il va me piéger. Alors, Régence. Régence de la reine, ça va. C'est pas pire. On va vite fait aller voir ce qu'elle fait, la reine. Je vais juste filer toutes les provinces parce que ça prend quand même un petit peu de temps, mine de rien. Putain, je suis passé en enthousiasme de guerre faible et lui il est repassé en élevé. Ah merde. Ça c'est ballot par contre. Ouais, là par contre ça fait chier. Alors elle est stérile ma reine. Bah tant pis, c'est une 2-5-4, ça va. Ouais, à cause de ma puissance militaire qui faiblit, bah oui, province occupée. Ming engrange des victoires. Ouais, alors là. Non, oui. Si tu regardes les gagnés perdus, je suis pas d'accord, il engrange pas des victoires, mais bon. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un peu abusé, quoi. Enfin, cela dit, il nous a fait quand même des grosses victoires, hein, on va pas dire le contraire, mais... Ouais. Alors, il y a 50 000 hommes ici, on va faire attention. On est en force, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt vers toi. Ah, ici, il y a des mecs qui se replient. Je vois arriver les types que t'as défoncés, ce serait marrant qu'ils s'arrêtent sur moi. Ah non, ils s'arrêtent pas sur moi malheureusement. Ouais, à l'ouest de là où on a pris des territoires, ça commence à se concentrer. Hein. Là, il y a un peu plus de 100 000 hommes. C'est là que ça commence. Remarque, vers chez toi, il y a un peu de concentration, au moins. Oui, il les remonte, je ne sais pas trop ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il va vers chez toi quand même, vers ton côté. Il a encore 70 000 de réserve et 300 000 hommes, 300 000 régiments. Bon, je pense qu'on finira pas cette guerre dans cet épisode, hein, mais... Non. On va
Attends, juste deux secondes. Je vais me prendre un mec un peu plus efficace là. Voilà, agitation dans le pays moins 2. Non, productivité plus 10%. Hop, c'est parti les gars. C'est pas parce qu'on a trop de points qu'il faut arrêter d'en gagner. C'est ça. Ouh, le petit 14 à 35%, le siège là, il fait bien plaisir le mec avec 4 de siège, n'empêche. Tu m'étonnes. Deux brèches dans les murs. Pendant ce temps-là, mes armées se refont. Offre de paix de la part du Ming. Voyons voir. Parce qu'il est repassé en moyen. Mais je vais peut-être lui infliger une défaite là. C'est sûr, même. Il me céderait Leicho. C'est quoi ça? Juste voir. Leicho et Ngo, je vois les deux trucs que je revendique. Ouais. Très peu d'argent. Non, non. On va attendre encore un petit peu. Je dis pas qu'on va le descendre à 100%, loin de là, mais. Et là, il est descendu vachement loin en bas de chez toi là. C'est abusé. Ouais, bah il l'a fait exprès pour me foutre dans la merde et il a réussi. Mm. Là, je vais lui tomber dessus avant que c'est trompé le temps de fuir, j'espère. Pas mis de marche forcée. Ouais, c'est bon. Et là, il va prendre cher. Ouais, il prend cher. Même pas la peine d'y aller à plus. Allez, le stack wipe, on y croit. Alors, il y a 34 000 hommes qui se baladent et 26 000 hommes qui se baladent derrière, donc dès que j'ai pris ce siège, je redescends pour m'en occuper. Ça devrait pas tarder à tomber, je pense, avec un peu de bol maintenant. Eh ben non. Alors, 51 000 hommes et 26 000 hommes en bas qui sont en train de dessiéger des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Stop. On commence à bouger, les mecs. Parce que là, on peut le choper. On va tout de suite commencer à se déplacer. On va attendre deux secondes. Merde, on a un général qui est mort, c'est qui? Ouais, c'était la merde, c'est pas grave. Voilà, il a son lock. On y va. Ah bah on peut y aller là, merde, j'avais pas vu. Bah du coup on y va là. C'est parti. Chopez-le moi. Ah il va s'échapper l'enfoiré. Il va s'échapper. Désolé, je t'aide pas trop mais... Non, bah c'est pas grave. Hein. Je suis plus côté ouest moi. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il vient ici, visiblement. Il décide quand même que c'est une bonne idée. Avancée commerciale, on dépense sans compter, bien sûr. Bougez-vous, les mecs, faut qu'on le chope là. Attends, ça va y avoir un gros fight. Ah merde, il me saute dessus ici, bordel. Stop, demi-tour, il nous faut des renforts là. Il nous faut des renforts, on va s'arrêter et on va se mettre en marche. Ah bon. Tu vois quand même qu'à lui tout seul, il arrive à tenir les deux plus grosses nations de l'Asie à part lui, quoi. Ouais. Ouais, mais je lui fais tellement mal aux fesses. Ouais, par contre, ouais. C'est pareil, hein, je lui fais des dégâts. Hein. Y a pas de problème. Ouais, ici, il est 50 000, mais on va renforcer. Du général à 5 de choc, il fait mal. Hein. Allez. Alors, c'est pas un strike wipe ici, malheureusement. Maintenant j'essaie d'engranger des victoires militaires. Je pense qu'il va ramener des renforts ici, ouais. Ah, il a encore 26 000 hommes qui se baladent là. Bordel. Pause. Ouais, là il est en train de décider. Il a décidé de s'occuper de moi visiblement. J'arrive, hein. J'essaie d'envoyer des troupes qui remontent. Et ici malheureusement on a un malus de traversée, c'est dommage parce qu'on lui fait mal. Après on fait des zéros donc forcément ça n'aide pas. Ici on se replie, on fait demi-tour, on a encore besoin de renforts là. Cette bataille là c'est gagné, c'est nickel. Ah bah ici il a réussi à nous choper avant qu'on parte, donc on n'a même pas besoin de faire demi-tour. C'est bien joué de sa part, il vient de se prendre un gros stack wipe cadeau. Alors, comment ça se passe? Ici, on a chopé des gens. J'adore l'event que je viens d'avoir. Je perds 950 du cas ou 10 points de puissance administrative. Bah écoute à l'instant là, comme ça... Tu prends les 950 du cas, on est d'accord. Bon, ça m'a fait bien mal, mais à mon avis... ouais, il vient de passer de... Ah non, merde, il y a encore 70 000 réserves, pardon. Il a pas... Non, c'est en troupe, il a perdu presque 100 000 hommes. La vache. Bah écoute, je propose que sur cette petite fin de partie, on s'arrête. Ça me va. Il y a encore 50 000 hommes qui traînent de mon côté là, donc c'est pas non plus nettoyé, mais on est quand même plutôt bien.
On va se répartir ici. Et puis bah du coup, bah lors du prochain épisode, on va continuer cette guerre, hein, j'ai envie de dire. Mais ouais, carrément, et c'est pas fini, hein, c'est pas, on est loin de la fin, malgré tout. Carrément, la preuve. Il y a encore de quoi faire. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, du coup. Pour info, excuse-moi, je te coupe, il est passé en enthousiasme faible, mais on verra ça au prochain épisode. Ouais, on verra ce qu'on peut éventuellement tirer. J'ai rien de vite fait si je peux... Non, je peux pas recruter de troupes puisque je t'ai tout donné, donc c'est pas grave. On se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.